à l'antenne? Non, parce que je suis pas toute la journée, hein. C'est que je suis overbooké, hein, entre les interviews, la presse. Alors, mais je m'en fous! Mais vous êtes une vraie bande d'incapables. Ah, oh, mais c'est un truc de malade. Ah, mais je vais me plaindre. Ah, mais vous allez voir, je vais m'amuser. Hein? Ah! Hey! Bonjour à toutes et à tous! Je suis vraiment très heureux d'être enfin devant vous et de vous présenter cette troisième émission d'Actu TV. Et je peux d'ores et déjà vous révéler que ça va bouger et swinger. Christine nous proposera trois chroniques de livres. Le dilemme de Trajan de Christian Etlaumin, le tome 1 des chroniques de Balthus de Laurent Dumortier et le petit recueil de nouvelles noires de Noémie La Raven Franceschi. Puis bien sûr, une interview, celui de Marion Orwes-Zabel, un univers à découvrir. Nous découvrirons des auteurs au travers des trailers qui ont conçu pour leur promo. Ça, c'est trop cool. Et ça, c'est nouveau aussi. Edmé nous proposera une nouvelle chronique très, on va dire, cosy, le salon d'Edmé, qui nous amènera à la rencontre d'un artiste connu et reconnu, Guy Cabé, et à la librairie La Traversée à Verviers, qui a fêté ses 5 ans. Joyeux anniversaire! Karine Lord nous entraînera ensuite à Tertre, au festival Dark Valentine, aux côtés de David Durand. Et puis, allez, je vous dis, une toute nouvelle rubrique que vous retrouverez à chaque émission. Tilt, et elle nous est proposée par Ker, notre spécialiste numérique et informatique, monteur et tout et tout et tout. Que du bonheur.